Plus de 300 coordonnateurs de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vont investir le territoire national. Ils auront pour mission d'auditionner les victimes de la crise post-électorale. Ces membres de la commission spécialisée des enquêtes et auditions ont reçu des kits d'audition et ils devront être sur le terrain, selon le président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani. Cette mission vise à échanger avec les victimes afin d'aboutir à une réconciliation sincère. Nous avons recueilli de près de 20 000 victimes qui sont déjà enregistrées. C'est sur ces 20 000 victimes que nous allons procéder aux enquêtes par les auditions. C'est tout ce travail que vont nous aider à accomplir les coordonnateurs et autres superviseurs. Message bien perçu par la présidente de la commission spécialisée des enquêtes et des auditions, Maître Kofi Kwamekra, veut mener à bien cette mission. C'est entendre les populations, c'est-à-dire victimes, sachants, témoins, ou toute autre personne qui voudrait faire entendre sa voix, en vue de connaître la vérité. Car un travail de recherche de vérité a été confié à la CDVR. Les résultats des travaux de la commission spécialisée des enquêtes et auditions permettront une réparation équitable des préjudices causés durant la crise post-électorale.